Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Comment ça va vous autres? Moi ça va bien comme d'habitude. Nouvel épisode de Feed the Beast Infinity. Oh yeah. Hey toi, je ne t'aime pas. Tiens, va rejoindre tes frères au paradis. Ou en enfer. Wouhou! Ok. Focus, Chuck, focus. Aujourd'hui, je vais commencer à travailler sur un autre type de production d'énergie. Plus précisément, la turbine à vapeur de Dig Reactors. Fait que pour ça, là, je me suis pas préparé. Ben, je vais vous parler deux secondes, après ça, je vais aller me préparer. Ça va me prendre une autre de ces machins trucs-là, puis il va avoir sa source dédiée de coal. Le coal va être fabriqué avec le boulot que je produis avec ma petite firme, un petit robot ici, là, les petits robots, les petits amis. Qui marche à merveille en passant. Je l'ai mentionné pendant le stream, mais je devrais le mentionner pendant la vidéo de YouTube pour ceux qui ne peuvent pas écouter mon stream. Si vous n'écoutez pas mon stream et vous n'êtes pas abonné à ma chaîne Twitch, vous manquez des choses, surtout ce week-end. Yeah, dans la description en bas, si j'y ai pensé, il va y avoir un lien pour aller voter. Parce que j'ai mis le monde au défi de me lancer des défis. Qu'est-ce que je pourrais faire pendant le stream? Puis c'est ça. Puis j'ai mis une liste des suggestions. Dans un petit chose à sondage. Puis vous pouvez aller voter pour quel défi vous voudriez me voir faire. Fait que c'est ça. Si vous voulez me voir... là, à date, celui qui mène, c'est me déguiser en femme. Ça veut dire du maquillage et une belle perruque. Si vous voulez voir ça, abonnez-vous à Twitch et viendrez me voir ce dimanche sur Twitch. Voilà. C'est merveilleux. C'est merveilleux. J'adore. Mais vous n'êtes pas obligé de voter pour ça. Vous pouvez voter pour d'autres choses. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez voter. Comme manger une poutine avec du Nutella dedans, ou une barre de chocolat avec beaucoup de ketchup dessus. Ça fait la même. Allez voir. Allez voter. Ça devrait être dans la description. Va-t'en chez vous. Je ne mets pas ça dans le coffre, dans le bon coffre, mais pas en tout. Fait que c'est ça. J'ai fait des petites modifications ici parce que... Va-t'en chez vous. Des fois, les arbres poussaient, puis les feuilles venaient embarquer sur les tuyaux ici. Puis là, les petits robots ne savaient plus quoi faire, fait qu'ils arrêtaient de travailler. Fait que j'ai mis ça sous terre, puis depuis ce temps-là, j'ai pas de problème. J'avais un problème ici que j'ai réglé. Quand je les activais, ils finissaient par arrêter de marcher, ils se remplissaient pas en énergie, puis je me demandais pourquoi. J'avais mis mon Tesseract ici à fonctionner à l'eau. Ça veut dire, quand il n'y a pas de signal redstone, tu fonctionnes. Si tu reçois un signal redstone, tu ne fonctionnes pas. Alors, quand j'activais ce levier-là, ça envoyait un signal redstone au Tesseract qui le désactivait et ces petites créatures ne recevaient plus d'énergie. Donc, c'est ça. J'ai mis ça pour ignore les signaux redstone, fournit toujours d'énergie. Et depuis ce temps-là, ça marche à merveille. Hey! Je pensais que ça allait m'attaquer. Fait que c'est ça, ça marche à merveille. Je vais peut-être l'agrandir éventuellement. Je prends juste une petite partie du terrain, c'est ridicule. Puis même que c'est vous qui m'a fait ça avec vous autres ici, Dread Live. Comme qu'on dit en bon québécois. On va prendre une map. Tiens, pas besoin d'être vierge, je vais en prendre une. Récupérer une vieille. Oh, c'est vrai, ça me prend d'autres petits bidules, machin truc. Landmark. Ça va en prendre 3. Parce que je prenais le zone planner pour délimiter la section que les robots travaillaient dedans. J'ai-tu commandé ou j'ai juste cliqué? Ok, c'est bon. Ce qu'on peut faire... Je pense que c'est Omega, mais je ne suis pas sûr. Je devrais vraiment retenir ces affaires-là. Il m'a fait remarquer que je pouvais utiliser des landmarks pour délimiter la zone de travail de mes petites créatures chéries. Bon, mon clavier est décidé qu'il ne tente plus de travailler. Oh boy, le lag, hein? Ça me prend un meilleur ordinateur. Un jour, si je peux ramasser les fonds nécessaires pour m'acheter un nouvel ordinateur, je vais m'acheter un nouvel ordinateur. Ici, serais-tu bon? Bon, on va aller jusqu'ici. On fait ça comme ça, avec des landmarks.
ici, on active ça. Ça délimite un territoire. Et shift right click. Non? Ouais, je sais, c'est quelque chose comme ça. Ah oui, 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 ok. 606, ok. Puis ça dit 27 par 30. Ouais, c'est à peu près ça. 30 de long par 27. Ouais, c'est quasiment carré, mais pas tout à fait. Ok, il a délimité, ça a marché. Je pensais qu'il y avait une indication en bas à gauche dans le chat comme quoi ça marcherait, mais ça ne l'a pas fait. Fait que ça, on va rappeler tout le monde à la maison pour que je sache quelle base qui est laquelle. Parce que pour mon petit ramasseur, je vais falloir que je limite une zone plus grande. OK? Parce que des fois, il y a des blocs, des affaires là qui tombent en dehors de la zone, puis je veux qu'il ramasse ça. Fait que, OK. Toi, t'es le gars avec la hache. Fait que toi, tu vas travailler. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oh, OK. Ça... On recommence. On enlève la map de dans mes mains. On va là. On lui dit, travaille dans cette aire-là. Puis le picker, lui, on va lui faire une autre aire, ce sera pas là. On fait ça, on met ça à place, dans cette aire-là. Puis là, on va agrandir notre aire de travail. Pour notre ami picker. Vous connaissez picker? Fait que mettons jusque là. J'ai tossé de deux, hein. Puis l'autre aussi. Endurer le lag. Commande, soyez patient. J'ai du monde qui me chicanine, ça lag, Chuck. Ouais, je sais que ça lag, mais c'est ce que je fasse. Là, on va dire à la map. Ok, maintenant. Comme ça. Là, ça devrait être un peu plus grand les coordonnées. Ouais, 31, 34. Génial. C'est exactement ça. Puis ça va être pour. Monsieur Picker! Monsieur Picker, voilà votre aire de travail maintenant. Là, on active tout. On va aller couper les arbres qu'il y a là. Le planter devrait commencer à se promener un peu plus loin. Et Picker, on va lui donner de la job un peu. Okay. Viens ramasser cette fleur-là, monsieur Picker. On me dit que ça pouvait prendre jusqu'à 20 secondes avant qu'il détecte qu'il y a du travail à faire. Mais ça, c'est pas un problème, j'ai pas de problème avec ça. Bon, monsieur Picker va avoir d'autres fourrages. Comment activez-vous, les amis? Faut que j'aille préparer des affaires pour faire une turbine à vapeur. C'est pas juste ça à faire. Allez, les amis. Ben, je m'inquiète tout le temps que mes vidéos soient trop longues. Ben, je pense que je m'inquiète pour rien. Je veux dire, c'est ça. ça vous dérange pas, n'est-ce pas? Dites-moi que ça vous dérange pas. Ok, il est en train de se charger. Qu'est-ce qu'ils attendent, eux autres? Ils sont pleins. Ils sont activés. Est-ce que j'ai foiré? Est-ce que j'ai merdé en quelque part? C'est toujours possible. Come on, Monsieur Picker. Come on, Monsieur Planter. Bon, lui, il s'active. OK. Ça commence à m'inquiéter. Ça se peut-tu que ça, ça ne fonctionne pas? Mais je suis pas mal sûr que ça fonctionne. Bon, ben écoutez, je vais vous peser sur pause, je vais préparer des choses, je vais finir de configurer ça comme du bon, puis je vous dirai c'était quoi le problème. Puis anyway, je reviens, ça sera pas long. Petite mise à jour vite fait, j'ai réparé le problème, de toute évidence, je ne sais pas comment faire fonctionner ça avec les landmarks comme ça, fait que j'ai pris mon chose, j'ai délimité un plus grand territoire, puis j'ai mis ça dans les machines, puis là ça marche très bien. Fait que c'est ça, je voulais juste vous faire cette petite mise à jour, je continue à aller travailler sur les bidules machin trucs que j'ai besoin, puis je reviens.
Bon, ça marche à merveille. J'ai fait quelque chose de relativement simple. J'ai connecté une fournaise qui est alimentée en bois par un supplier. J'ai dit garde 64 morceaux de bouleau dans la fournaise en tout temps. Il en tient toujours l'entour de 30-32. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Ça fournit amplement, c'est ça qui est le but. La fournaise se vide dans le coffre, qui se vide dans la chose et qui fournit amplement. Puis je m'inquiète pas parce que quand la chaudière va atteindre sa température optimale, elle va consommer pas mal moins de charcoal. Fait que c'est pas un problème. Yeah, je peux pas ouvrir le coffre, je l'ai mis en dessous. Fait que c'est ça. Là, mais que je commence à produire de la vapeur, faut que j'envoie cette vapeur en quelque part. C'est pour ça qu'il faut commencer à construire... Mais là, je sais pas si j'ai tout ce qu'il faut. Oh, j'en ai amplement. OK. Faut construire un turbine housing qui est fait de cyanide, de seed, de graphite bar, d'iron bar, de quartz, blablabla, et ainsi de suite. Pour construire la turbine, je vais probablement faire des fenêtres que je puisse voir ce qui se passe dans la turbine. Puis j'ai besoin d'autres morceaux. Fait que je vais préparer ces morceaux-là, je vais juste ramener. Il est arrivé un problème, je sais pas ce qui est arrivé. Une petite à côté ici, là. J'ai manqué de coal. J'avais comme 250 000 coal ici. Vide, complètement vide. Je ne sais pas pourquoi. Donc, mes turbines ont arrêté de fonctionner parce qu'il n'y avait plus de coal. Il n'y avait plus de coal nulle part. Mais c'est ça. Mais Dieu merci, j'avais une autre alternative. Le réacteur à potion ici. Qui fournit très bien toute ma base au complet. Ouais, mon bel ami. T'es à combien, toi, là? 54? Pas un problème. Fait qu'il fournit la base au complet en énergie. J'ai pas de problème, ça roule très bien. Fait que c'est ça. Probablement que la ferme à bois va arrêter de fonctionner pour une raison ou une autre en arrière. Mais là, tout fonctionne bien. Je commence à produire du coal. Faut que les... Le petit machin truc ici commence à se remplir de coal. OK, il y a plein, plein. Je sais pas si ils sont tous pleins, mais c'est ça. Puis une fois que je vois qu'ils vont s'être remplis de coal, ils vont pouvoir commencer à en instaurer puis alimenter ma turbine encore. Mais pour le moment, c'est ça, je produis pas de surplus. C'est pas important, on va laisser aller puis éventuellement ça va se replacer. Fait que je vais préparer les pièces que je disais puis je reviens. Alright, j'ai déjà commencé à construire le réacteur, la turbine plutôt. C'est pas un réacteur, c'est du mode gros réacteur. Hey, le gros. Là, j'y vais de mémoire. J'en ai déjà construit un il y a longtemps dans un autre Let's Play. C'était pas aussi gros que ça. Là, je l'ai fait pas mal long. On va espérer que c'est bon. Turbine Controller. Ça, c'est chiant parce que... Dans la recette de ça, ça prend du plutonium. C'est le seul bloc qui a besoin de plutonium. Puis pour faire du plutonium, ça prend un cyanide reprocessor que vous connectez sur de l'eau et de l'énergie. Vous mettez du cyanide dedans, puis ça vous donne du plutonium. Yeah. Juste pour faire un bloc. C'est comme... Ouais, OK. Le plutonium sert à d'autres choses et tout. Là. Ne vous détrompez pas, mais je m'en servirai pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais me servir de ça. Je vais vous expliquer dans quelques instants à quoi ça sert et qu'est-ce que ça mange en hiver. On met ça là. Ça crée... Comment je peux dire? Là, j'y vais à peu près, j'y vais au pif. Elle sera pas balancée. Il va probablement falloir jouer avec les ingrédients pour faire quelque chose de bon. Ça, c'est... Ça va augmenter l'énergie que la turbine crée, OK? Là, j'en ai mis ça... Je peux en mettre dans les coins aussi, là. Différents matériels va donner différentes énergies. Le meilleur, c'est du ludicrite. Ça ici, ludicrite, mais c'est ça peut être coûteux. Malgré que je pourrais me débrouiller, j'ai besoin du plutonium que je peux produire. J'ai des blaze rods en masse, je peux faire ça. Mais chaque bloc en prend deux. Fait que ça va coûter cher. Mon conseil avec lui, qui est le deuxième plus puissant qu'on peut utiliser. Là, au milieu, on va mettre un shaft. Les blades de la turbine vont s'attacher après ça. Comme ça. Les blades, qu'est-ce que j'ai... J'ai-tu fait des blades? Je pense que j'en ai pas fait des blades. J'en ai besoin de combien?
6 fois 4, 24 blades. J'en ai besoin de 24. Donne-moi en 24. J'ai dit à mon système qu'on les faire parce que je suis paresseux. Ça me tentait pas de les faire manuellement. Fait qu'il va me faire ça. Ça devrait pas être trop long. Ça va me prendre aussi le contrôleur. Je pense que je vais le mettre en haut ici. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Fluid port. Lui, je crois que je vais mettre ça sur le côté. Je vais en mettre deux. Mettons un ici, un là. C'est là que la vapeur va rentrer pour accéder au réacteur. Ça. Là, si tu tombes en dedans, il est où l'autre bloc? Je vais le récupérer. Et voilà. La vapeur que lui produit amplement pour le moment, qui devrait fournir, je sais pas si ça va être assez pour fournir la vapeur pour tout ce machin truc-là, mais faire une turbine en passant, ça vous prend un bearing qu'on appelle, que vous mettez un bout, un roulement à billes, vous mettez un bout, le shaft, l'essieu, je sais pas comment on appelle ça, s'attache là-dessus. Puis c'est ça. Là, on va sortir les blades, les lames, les pales. Puis on va mettre ça tout le long ici. C'est ça, l'autre bord aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en dessous. On va en mettre tout le tour. La vapeur va faire tourner cette épale-là. Comme ça, génial. Et voilà. Ça devrait marcher. Je dis bien ça devrait ici. Hein? Un power port, ça c'est où ce que l'énergie va sortir. On va le mettre là. Puis le reste, on va mettre de la vitre, je crois. Je crois que c'est assez pour rendre le truc fonctionnel. Mais, juste une manière de le savoir, c'est connecter de la vapeur dessus. Est-ce que j'ai commandé? Non, je n'ai pas commandé. On va prendre des fluidocs. On va voir qu'est-ce que ça donne. Il va-t-il en faire automatiquement? Merde, non. Je vais en faire manuellement. Hein? Fluidoc. Fluidoc. Des calores fluides. Arden pour qu'il puisse passer la vapeur, ça me prend. Hein? LED, Envar, pas de problème. J'ai tout ça. On va aller ici. Fait que Envar, donne-moi-en. Hein? 40, puis du plomb, donne-moi-en. La moitié de 40. On va ici, on attend nos ingrédients très patiemment. Comme ça. Et le LED. Come on, baby. Oh yeah. Come to daddy, baby. Bon, je pense que j'ai amplement tué. Ah, c'est pas grave. Fait qu'on va connecter 4 tuyaux. Question de faire sûr que je peux passer assez de vapeur. On va l'envoyer. Lui, c'est... Hey! Là, la turbine ne s'est pas formée, donc il me manque un ingrédient ou quelque chose que je n'ai pas fait comme il faut. On va faire un right-click dessus. Il serait supposé nous dire... Je pense qu'il faut que j'aille la main vide. Rotor must please closer to the rotor bearing than all other parts of the turbine. Ah, voilà mon erreur. Doudoudou, faut que j'enlève les autres aussi. Oh, c'est dur ça. Doudoudou. Oh. Désolé, je l'ai pas brisé, toi. T'es trop facile à briser, toi. Ce que ça disait, grosso modo, c'est que les pales, faut que soient plus proches du bearing que n'importe quel autre morceau. Fait que ça, ils vont aller en avant là-bas. Fait que je vais faire ça. Donne-moi 2 secondes, je peux sur pause, je fais ça, je reviens. Ok, prise 2. Les pales sont plus proches du bearing. J'ai amené les blocs d'Enderium à l'avant. Et voilà, ça a formé une turbine. On a une turbine fonctionnelle. Là, si on amène de la vapeur, en théorie... Là, ce bloc-là, c'est juste une entrée. Ok, y a-t-il une entrée et une sortie? Parce que je sais qu'on peut faire sortir la vapeur de là. Mais c'est pas une obligation, je crois. C'est qu'on peut la récupérer ou ça devient de l'eau, puis là, on peut renvoyer l'eau et tout ça, mais moins de l'eau, je m'en fous.
complètement. J'en produis amplement, je me casse pas la tête avec ça. Yeah. Le lag. Je veux un meilleur ordinateur. C'est pas fait. Ok. Là, en théorie. J'ai-tu de la vapeur qui rentre là-dedans? Steam. Ok, faut que je l'active. Induction coil. Let's go inside the turbine, extract. Blablabla. Ok. Engage coil. Activate turbine. Là, ça va tourner. Faut se tenir dans une zone, dans le sweet spot. Je pense. Alors, on voit ici, c'est marqué. Je pointe sur mon écran. Voyez-vous, là, je suis en train de pointer sur mon écran. Rotors perform best at 900 or 1800 RPM. Grosso modo, la turbine là, fonctionne ses vitesses idéales. C'est soit 900 RPM ou 1800 RPM. Fait que, là, le truc, c'est jouer avec les coils. Puis, trouver le meilleur équilibre entre les deux. Fait engage coil, si j'engage ça, ok. Tu là, il approche sa zone de confort. Fait que là, c'est un peu jongler, c'est trouver. Ben, comme je disais, son sweet spot, la place la meilleure pour fonctionner. J'aimerais ça l'amener à 1800 RPM qui se maintient là. Si on va faire ça avec ça ici, on peut baisser la quantité de vapeur. Je pense que je peux faire shift, ça va aller plus vite. Contrôle, c'est 100 à fois. Shift, c'est 10 à fois ou comme ça, 1 à fois. Fait que je peux décider quelle vitesse que je l'envoie. Là, je vais désactiver. On va le monter à 1800. Donc, maximum vapeur, on va l'approcher le plus proche de 1800 possible. Après ça, on va commencer à essayer d'équilibrer. Si on dépasse puis on va trop haut, ça peut exploser. Par le passé, j'ai fait des expériences, je l'ai amené à une vitesse incroyable, ça n'a jamais explosé. Fait que je pense que les chances d'explosion sont relativement minces. Fait qu'il faut pas trop se casser la tête avec ça. Là, on va essayer d'approcher 1800 le plus possible. Après ça, on va activer les coils. Après ça, on va jouer avec la vapeur pour essayer de trouver un bon équilibre. Fait que je vais vous payer sur pause. Je vais faire ça. Je vais essayer de trouver le meilleur équilibre possible. Puis quand je vais le trouver, je vais vous ramener. Comme ça, vous allez pouvoir voir les chiffres. Si vous voulez faire la même chose dans votre monde, ben vous aurez les chiffres. Vous saurez quoi faire exactement. Fait que je reviens. Ça sera pas long. Ok, je pense que j'ai trouvé un équilibre qui était pas pire ici. Vous voyez, je me maintiens à 900 RPM. 1800, c'est pas possible. Pas avec la grosseur de turbine que j'ai là. Ça va me prendre un deuxième boiler. Du moins, peut-être pas. Même qu'il ait atteint sa température optimale, peut-être qu'il va fournir assez de vapeur pour cette turbine au complet-là. Mais pour le moment, rendu à 1800, aussitôt que j'activais, même si tout était au maximum, le RPM redescendait. Fait que, je vais le tenir à 900 RPM. Là, pour le moment, on fournit 2495 RF par tick, qu'on devrait carrément connecté au système, ça me prendrait des cryo bidule machin truc, mais ça je peux le connecter entre les épisodes, j'ai pas besoin que vous soyez là, vous avez pas besoin de me voir faire ça. Fait que je pense que je vais construire une autre turbine, un autre ça ici. Oh jeez, c'est fragile ça. Ok, fio, j'ai rien perdu. Je vais en construire un autre. Lui, je crois qu'il devrait être capable de fournir deux. Je ne sais pas. Ma ferme avec mes petits robots, vas-tu être capable de fournir ça? Ok, lui, le charbon commence à arriver. Excellent. Retourne, hein? Est-ce que je devrais prendre un peu de vapeur de celle-là et l'envoyer là. Celle-là, tout ce qu'il fait, c'est fournir mes fourneaux en haut. Puis la porte ne fonctionne pas, ces fourneaux-là. Fait que c'est de la vapeur de perdu. Fait que je devrais peut-être rajouter, envoyer un tuyau par là-bas, puis rajouter à cette turbine-là. Non, je pense que je vais y dédier carrément un autre boiler. On se grosse pas la tête. Je pense que je fournis assez de bois pour fournir deux turbines. Ce n'est pas assez, je vais rajouter des petits robots. On va voir, on va compenser. Mais c'est ça, la turbine fonctionne, c'est génial. 0.7, parfait. Je pense pas qu'elle descende pas bien ben plus que ça. Écoutez, je fournis juste 217 millibuckets de steam.
télépathique. C'est tout ce qu'elle a besoin. Anyways. Fait que... Donnez-moi deux secondes, je vais voir combien de temps qu'il me reste à l'émission. Peut-être que ça va être une émission plus courte, celle-là. Ça arrive, des choses comme ça. M'en voir. Fait que donnez-moi deux secondes, je vais voir combien de temps qu'il reste, qu'est-ce que je peux faire, blablabla. C'est ça. c'est ça, j'ai pas vraiment le temps de commencer quelque chose de majeur. Fait que je vais terminer l'épisode là. Entre-temps, je vais probablement construire un autre boiler. Question d'alimenter notre turbine en bas avec un peu plus d'énergie. Je suis en train de fabriquer des pièces. Pour ceux qui savent pas, faire un boiler, c'est pas bien compliqué. Le maximum grosseur, c'est ce que je fais en bas. Vous faites des blocs de même. Anyway, on se croisera pas à tête, je viendrai chercher plus tard dans les épisodes. Vous avez pas besoin de voir ça. On va juste vous montrer comment faire un boiler vite fait. Des fois que vous saviez pas, ça me surprendrait. Vous êtes intelligent, mais des fois que un petit nouveau, première fois qu'il se connecte, qu'il sait pas, il a jamais fait ça. Ben c'est comme ça qu'on va faire ça. Tu prends ces blocs-là, qui est des solid fuel boiler, t'as des liquid fuel boiler. Moi je prends des solid parce que des solides, le charbon que j'utilise, c'est un solide. On va le mettre. On va le mettre par ici, ok. On va mettre une distance entre les deux. Question pas de cacher notre lumière. On fait une base de 3 par 3. Et on met les blocs sur le dessus comme ça. Dans cette forme-là. Puis une fois que t'as fini, ben ça fait ça. Fait que. J'espère que ça vous a instruit. Vous êtes tous instruits là, n'est-ce pas? Hein? Mais anyway, ça fait comme je dis, je vais terminer l'épisode là. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si oui, laissez un petit j'aime. Si vous avez des commentaires, suggestions, des trucs qui seraient plus intelligents pour mon système, ne vous gênez pas dans les commentaires en bas. Puis je vous parle la prochaine fois. Bye bye le monde!